Ouais, moi, Boosta, je trouve ça abusé que tu parles de ton équipe en début de vidéo, quoi. Même si tu l'as depuis 4 mois et que t'en as parlé que 3 fois, c'est pas parce que t'as déjà acheté du setup il y a pas longtemps que t'avais pas prévu que ton ordi commence à tomber en panne que moi je dois perdre 30 secondes à aller voir une vidéo avec le lien dans la description. Tu travailles? Tu peux pas prendre tout ton salaire pour acheter un ordi, non? Tu manges pas? Y a pas besoin de manger? Y a pas besoin de prendre les transports, hein? C'est scandaleux de demander comme ça aux gens de perdre 30 secondes de leur vie à aller regarder une petite vidéo. Surtout que s'ils font tous, à la fin, t'atteindras ton but en plus. À quoi ça nous sert à nous? À part que tu continues les vidéos, mais ça, on s'en bat les couilles. Yo les potes, la forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle, mais un peu spéciale. Aujourd'hui, je vais m'expliquer un peu sur la vidéo qui a fait grand débat hier, hein, la vidéo que j'ai sortie sur la Punch Machine, voilà. Donc, réellement, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, ne serait-ce que pour avoir tous les arguments, en fait, et pas que la moitié, parce que vous allez peut-être mal comprendre mes intentions. Donc, qu'est-ce que c'était mon but en faisant cette vidéo? Bah, tout simplement, en fait, c'était de rigoler. Tout simplement, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de vidéos qui étaient sorties sur la Punch Machine. Mais, enfin, sur la Punch Machine, en réalité, les gars, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous pouvez récupérer des DS, des Zeny, et puis des armes de potentiel, et ça se finit là. Il y a deux persos qui peuvent la compléter, qui peuvent essayer de battre la Punch Machine, dont le plus important, c'est Guanelaire, et le plus simple. Il faut foutre des doublons dessus, donc, et puis des changeurs de ki, et let's go. Un Nuker leader en leader, et puis voilà, c'est tout, en fait, il n'y a rien de spécial à faire. Et puis, je me suis dit que faire une vidéo juste pour ça, c'était pas, en fait, nécessaire, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui l'ont fait. Autant, des fois, autant c'est normal de surfer sur l'actualité de Dokkan Battle, etc. Mais autant cette fois j'avais la flemme, j'avais pas envie de répéter une énième fois la même chose. Donc je vous ai fait une petite vidéo, un peu, ouais, troll, complètement troll même, mais qui a demandé en vrai bien plus de travail qu'une vidéo tout simplement où je vous dis qu'il faut prendre Guanelaire de 100% et puis partir en speed. Tout simplement, voilà, une vidéo drôle quoi, un truc marrant en mettant Yamcha. Donc bien sûr les gars, sur la vidéo d'avant, je pensais que c'était assez clair comme ça, mais c'est un troll la vidéo, c'est un troll. Et vous pouvez voir d'ailleurs sur cette vidéo que j'ai juste ici, qu'en bas en fait, ce que vous lisez, enfin il y a écrit en gros, si vous lisez à l'envers, ça fait Yo les potes, la prends quoi. Donc voilà, c'était le petit indice de la vidéo. Excuse-nous Laikagami, objectif de kiff total. Donc il y en a pas mal qui ont joué les yeux, qui ont bien rigolé, et du coup il y a vraiment des perles dans les commentaires, on va aller les voir ensemble. Parce qu'elles sont vraiment incroyables, c'est vraiment un truc de grand malade. Je me suis tapé des grosses grosses barres pour cette vidéo, donc n'hésitez pas, le petit pouce bleu comme d'hab pour soutenir la chaîne, ça fait grave plaisir. En ce moment, la chaîne marche plutôt bien du coup, parce que c'est vrai que j'ai, bon, on va dire un peu plus de temps libre, parce que voilà, vous savez que j'ai le taf en même temps les cours, donc c'est un peu compliqué, mais j'ai un peu plus de temps libre et... voilà, durant les 2 prochaines semaines, normalement il y aura pas mal de vidéos, sachant que j'ai pas d'examen. Mais après, on retournera charbonner tranquillement. Donc, oui, voilà, en gros, j'ai expliqué que cette vidéo c'était pour rigoler, quoi. Et bien sûr qu'il n'y avait pas de soucis là-dessus. Et que, bah en gros, c'était juste un prank, quoi. Un énorme prank, et ça se voyait, les gars. Hein. Yamcha, bon, après, je dirais pas la technique que j'ai employée ici, hein, mais ce n'est pas un mod et ce n'est pas un serveur privé, tout simplement. J'ai vu 4 types de com, ce qui est assez incroyable. Donc il y a le com du mec qui a compris le second degré, qui voilà, c'est drôle et tout, j'ai bien rigolé, merci pour la vidéo. Je me suis tapé des bonnes barres et ça fait grave plaisir. Et il y a le mec qui fait le détective Conan, alors il est là, il dit ouais, c'est le mec qui dit un truc évident. Mais genre il a cru, il avait fait des recherches, il était du FBI. Genre il dit ouais, vu les dégâts, c'est sûrement un serveur privé, en plus il raconte n'importe quoi, genre c'est super drôle. Il y a le mec qui a la haine contre moi, donc le mec qui insulte toute ma famille. Ça c'est le meilleur. Et il y a le mec qui a rien capté qui dit ouais mais moi j'ai essayé, ça marche pas. Donc ça, je suis désolé pour les frérots qui l'ont pris au premier degré, parce que je sais qu'il y en a qui sont il y en a certains, c'est sûr, qui ont pris ma vidéo au premier degré, mais c'est un énorme troll comme je vous l'ai dit. Donc lui il a compris direct, il a mis yo les potes, la prank ou quoi, en gros. C'est ce que j'avais mis en bas, ce que je vous ai montré. Donc il a direct capté. Alors il y a Fit, ce gros troll, qui dit j'ai testé, ça marche pas.
Alors, il y a ce mec qui dit j'ai pas envie de faire des vidéos sur la punch machine parce que tout le monde l'a fait, ça sert à rien. Et en plus, la technique elle marche pas, c'est nul. C'est ce que j'avais dit en live, en gros, c'est ce que j'ai redit au début de cette vidéo. C'est que je trouvais pas ça intéressant du coup d'en faire dessus. Et du coup, j'ai mis les sauvages. Et il y en a, ils sont partis en débat en bas, c'était n'importe quoi. Genre, ils ont cru qu'on s'embrouillait pour de vrai. Il y a un mec qui a dit sauvage le BS, boostage arrête ici, tu fais pitié. Alors, je sais pas si c'était du second degré, mais en tout cas, il m'a fait taper d'énormes barres. Après, on va arriver dans les meilleurs commentaires où ils insultent toute ma famille. Attendez. Toute ma vie, je te. Bon, lui, voilà, c'était un truc à part. J'étais KO, t'es un génie du putaclic. J'étais plus grand youtubeur. Le légendaire Yamcha. Je connais ta technique, c'est pas halal tout ça. Je sens le fake. Quel rapiage, j'y crois pas. Je verrai quand même. Je comprends pas. J'ai essayé et ça a pas marché. Eh les gars, je vous jure que quand je me suis réveillé ce matin, j'avais la tête dans le cul. J'ai regardé tout ça. Mais je me suis tapé des barres. J'ai rigolé pendant je ne sais pas combien de temps. Genre, vous êtes vraiment trop forts. Genre, les mecs sont vraiment trop trop forts. Il y en a qui le font pas exprès, mais il y en a qui sont vraiment giga forts. Bon, lui, il a dit que j'avais fait une faute en bas. Voilà. On va dire qu'on a rien vu. Attends, le mieux c'est. Alors, le mieux c'est. Bon, lui il a pas compris du coup, il a dit c'est du fake ou pas. Il a dit c'est du fake ou pas. Ouais, lui il a compris, t'es un génie mec, nanana. Comment. Bon, on va descendre dans les plus importants. Lui il a dit c'est un putain de gros montage, bravo. C'est pas un montage donc il a pas raison. Lui c'est plutôt du type détective Conan, il a dû chercher pendant 4 heures. Les petits détails et tout. Et il a dû se dire ouais. Qu'est-ce qu'il a fait, etc. Les abonnés qui régalent avec les tops, donc elle m'a connu. Mais quel enfoiré, man. Bon, lui, il a capté direct. J'ai vu direct Yamcha soit en mode soit troll. Alors, le plus marrant, c'est pas lui. Attendez, allez. Plagiat Kawaii. Gnognognog, bonne vidéo en tout cas. Voilà, alors. Tokar. Alors, il y a Marina qui me dit Tokar. J'ai dit merci Marina, je t'aime aussi. J'ai pas de réponse malheureusement les gars, je suis triste, je pensais que c'était mutuel. Je pensais que c'était réciproque, à ma part répondu. Il y en a qui l'a mis bug, fake, ok. C'est un mode, ok, encore un mytho. Vidéo franchement useless, un peu comme le commentaire, mais bon, c'est pas grave. La boxe l'a vu gérer avec des persos, même pas de canal. Alors il a la haine. Lui il a pas compris que c'était une vidéo troll sur un compte, voilà. Il a dit la boxe gérer. Avec des persos, même pas de cam. Ah, en fait, pour vous expliquer, le truc de la boxe, la bugérée, c'est ce que j'avais mis à l'époque sur une vidéo, genre sur un titre. Et il y en a qui l'ont pris en full premier degré. Genre, j'ai dit qu'en gros, j'avais pas utilisé beaucoup de DS et j'avais invoqué sur des portails et tout, et que je trouvais mon compte pas mal. Ce que je pense toujours. Et puis voilà, j'ai mis un titre à pas à guicher, ce qui est normal, parce que sinon, tu fais zéro vue, hein, on va pas se mentir, et j'assume parfaitement. Et le mec, il me sort ça. Pour une vieille vidéo test, il a cru que j'allais mettre mon vrai compte. Alors lui il a dit dommage, elle m'a éclaté, lui il a dit dommage, je vais taquer et tout le monde l'a remarqué sans même essayer. Et en bas il y a Domoris qui l'a dit bah non frère, j'ai essayé, ça a bien marché. Ah miskin. Ah si je fais cette vidéo c'est aussi pour expliquer aux gens qui essayent, les miskins ils ont pas compris que la vidéo entière était un énorme prank. Bon lui il a dit prenez Devilman ça marche pas hein. Devilman ça marche clairement pas, ils l'ont interdit pour l'event. Alors lui il a dit blablabla pendant 8 minutes, sérieux c'est abusé. J'ai dit blibli, tu préfères. Eh les gars qui cassent les couilles en général, d'ailleurs je vais répondre à ça, qui cassent les couilles. La vidéo a fait 11, 12 minutes, 13 minutes. Eh les gars, on s'en fout. Personnellement, que les gens le fassent exprès ou pas, j'en ai rien à faire. Genre vous regardez la vidéo, vous la regardez pas, c'est vous qui choisissez. Moi je suis pas en mode, bon cette vidéo là, je dis la vérité, je l'ai fait clairement exprès d'arriver aux 10 minutes. C'est parce que je voulais voir jusqu'à où j'allais au niveau du référencement et tout. Mais d'habitude genre c'est en mode, je crois mes vidéos ont fait 12, 13, 15 minutes, un truc comme ça. Mais c'est juste je parle et puis voilà je m'arrête au bout d'un moment. Vous prenez pas la tête genre, vous regardez pas si ça vous plaît pas, on s'en bat les steaks. Bref, alors lui il est arrivé fainéant, il a dit ta grand-mère, elle c'est magnifique, ta grand-mère. Merci frérot, merci la mif. Merci la mif. On va dire merci la mif. Au fake. Lui, génie. Prank direct. Nice le mode. Alors lui, il a rien compris. On l'a. Oui, Yamcha. Lui, mesquin, il n'a pas compris. Alors j'ai reçu plein de messages comme ça. Ou des gens qui me demandent. On l'a où le Yamcha.
Alors, on l'a dans l'event avec. Avec le. Comment ça s'appelle? Avec le. Le poisson d'avril. Donc, l'event qui arrive le 1er avril. Mais le Yamcha, je continue à le dire, ça ne fonctionne pas. Genre, j'ai fait un truc spécial. C'est génial et ça marche et c'est légiste. Ce gros troll. Tu m'as bien fait rire, je m'abonne, tu vois. Ça, c'est les commentaires pour lesquels je fais la vidéo, tu vois. Genre, c'est vraiment en mode détente. En mode, je fais ce que je kiffe, en fait, tu vois. Je fais ce que je kiffe, parce qu'en réalité, vous préférez quoi, en fait? Vous préférez un mec qui lit les... Enfin, qui regarde l'event et qui fait un truc qu'on a vu n'importe où. Ce qui est normal, hein, en soi, parce que... dans Dokkan, faut surfer sur l'actualité. Faut parler des trucs qui sont sortis il y a pas longtemps. Mais, mais vous préférez quoi? Parce que ce que j'ai fait, ça demande beaucoup plus de taf que de faire un gameplay sur la truc et juste dire la punch machine, il y a Guaneler qui la défonce, hein. Si vous voulez aller à la facilité, ce que j'ai fait, c'est pas ce qui est le plus simple, hein. Mais justement, je voulais faire un truc original et un peu drôle et j'ai réussi, donc ça fait plaisir. Donc lui, il m'a dit comment récupérer Yamcha. Bon, je vais lui répondre en mode premier degré. Je vais lui dire 1er avril event. Mais... Il va comprendre avec l'autre vidéo, de toute façon. Faut prendre Devilman. Bon, lui, voilà, Devilman, ils sont chauds sur Devilman, les gens. Encore Devilman, putain, il y en a pas mal quand même, hein. Super le compte cheat avec la vie infinie. Mais non, c'est le légendaire Yamcha, les gars. C'est le légendaire Yamcha. C'est pour ça qu'il a 1 milliard de PV. Tu as cheat, tu t'es pas fait ban. Bon, en principe, on fait une intro qui englobe le gros de la vidéo. Mais là, faire des interludes comme ça, je préfère des pubs. C'est très énervant, voilà. A voir le prochain, les haters, abstenez-vous, vous me cherchez, je pique. Alors ça, j'ai pas compris du tout, par contre. Ça, j'ai rien compris. Faire une intro qui englobe le gros de la vidéo. Ouais, bon, j'ai pas trop compris. Si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à répondre dans les commentaires. Merci, grâce à toi, j'ai réussi toutes mes missions. Punch Machine. Plagico, bonne vidéo, en tout cas. Si on n'a pas Yamaha, on peut le faire. Ah, putain. Ah, des fois, vous m'éclatez, c'est des fautes d'orthographe toutes bêtes, mais quand j'ai lu, ça m'éclate vraiment. Genre, c'est pas en mode foutage de gueule... En mode je me moque de vous, c'est vraiment en mode ça me fait tellement rire. Je sais que c'est des fautes bêtes qu'on fait comme ça. Moi j'en fais tout le temps des fautes. Si vous allez sur mon Twitter, c'est rempli de fautes quand je mets un tweet, c'est n'importe quoi. Mais putain, ça m'a fait rire quand je me suis levé. J'ai vu Yamaha et ça m'a explosé de coup. D'accord, c'est marrant, c'est un troll, mais c'est juste du pute tactique. Tu mets pas ça dans le titre de la vidéo, tu dis juste que t'as fait une vidéo explicative sur la punch machine. Point. Mais c'est pas une vidéo, c'est pas vraiment une vidéo explicative, c'est un troll. Mais si tu mets troll en gros punch machine, en fait. Le but du troll, c'est que les gens ne devinent pas que ça soit un troll au début, en fait. Tu vois, c'est le but, c'est que ça, les gens ne devinent pas que ça soit un troll. Donc si tu dis dès le début de la vidéo que c'est un troll en gros dans le titre, c'est débile, personne va cliquer dessus, genre. Le but, c'est qu'ils regardent et qu'ils écoutent. Bon, après, franchement, c'est assez obvious, hein, quand même. Faut pas se mentir, genre, dans la vidéo. Ça se voit que c'est du fake, hein. Et RIP à tous ceux qui ont essayé et qui ont cru que ça marchait. Moi, je la dirais pas, c'est trop simple, sinon. Team Fouliam Chatek, faudrait essayer. T'as téléchargé la version Axe sur Panda Helper. Alors, je sais pas du tout de quoi il parle. J'ai juste les répondants. Bande de cons, vous voyez pas qu'il utilise un lag pour avoir full attack. C'est coucou des BZ Space. Non, c'est pas un mode, les gars. C'est vraiment pas un mode. Comment tu as fait, wesh? T'es le dieu du montage. Bandai a fait un complot. Logiquement, Yamcha est plus fort que Jiren le show. Ah, mais il y a des gens. Attendez, il y en a que je retrouve pas. Alors, c'était le meilleur, je l'ai vu hier. Attendez, il est où? C'est sur Twitter, on va aller sur Twitter, vite fait. On va aller sur Twitter. Alors, lui, il m'a explosé, vraiment. Je me suis connecté, c'était meilleur commentaire. Attendez, hop. Il y avait le commentaire de Marina qui me disait Toka. Et juste après, regardez. Alors, lui, c'est le meilleur. Lui, c'est le top du top, lui. Alors, toi... Attendez, on voit bien. Non, on voit la moitié, attendez. On va régler ça, vite fait. Hop. On va mettre ça ici. Alors toi, t'es vraiment le plus gros MDP de Dokkan Battle avec tes putains clics, sale bâtard. Nique tes morts. Et lui, il est complètement explosé. J'ai dit, je vois pas la rime parce qu'en gros, il s'appelle on va rapper faire. T'as compris ou pas? Non, mais la tête. Et lui, il m'a vraiment explosé, genre. Il m'a explosé, ce mec-là. Et ça se voit, il avait la haine. Genre, il s'est dit, je vais réussir la punch machine. Il a cliqué sur la vidéo. Et il m'a explosé. Il est dit, lui, il faut que je l'insulte sa mère directement dans tous les... Ça peut pas être autrement, genre. Ça peut pas être autrement. Ah, il m'a vraiment explosé. Non, mais je vous jure, cette vidéo, elle est tellement drôle. Et voilà, lui, c'était celui-là de tout à l'heure, en gros.
qui disait que qui jouait le jeu avec moi, qui disait j'ai essayé, ça a bien marché. Mais voilà, en gros, cette vidéo elle a pas très grand intérêt si ce n'est de vous montrer les commentaires, quoi. Mais putain, eh, franchement, genre, c'est vraiment les meilleures vidéos. Genre, sincèrement, merci pour toutes ces barres de rire. Genre, c'est juste un truc de ouf. En fait, c'est ce que je préfère faire, en vrai. C'est ce que je préfère faire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous kiffez ce genre de vidéos troll. Parce que je sais qu'il y en a que ça énerve. Et c'est normal, hein, je conçois totalement, en fait, qu'il y a des gens qui soient énervés. C'est pour ça que je dis rien. Mais vraiment, moi, j'ai vraiment kiffé de faire. Genre, je me suis bien marré à faire la vidéo, à voir vos commentaires, à lire ce que vous dites et tout. Et apparemment, vous kiffez aussi parce que la vidéo, elle a fait plus de 18 000 vues en même pas 24 heures. Donc, c'est juste incroyable. Voilà. Un grand merci à tous. Et puis voilà, tout simplement, je vous laisse là. Et je vous dis bonne journée, bonne soirée, bon après-midi. Et puis plein de bisous. Voilà. N'hésitez pas, le lien du YouTube est encore dans la description si vous voulez cliquer. À vous abonner aussi, ça fait plaisir. YouTube, en gros, vous pouvez regarder une pub en fait. C'est le lien est dans la description, vous cliquez dessus. Vous allez avoir une pub de 30 secondes, et ça envoie 5 centimes, donc ça fait plaisir pour soutenir la chaîne. Et puis voilà, voilà, je vous dis au revoir, à bientôt pour une prochaine vidéo, et puis des bisous, ciao ciao.